On était en territoire ennemi pour appuyer une opération de contre-espionnage. Ça devait être une simple mission de soutien. Mais rien n'est simple dans la guerre. Pas vrai? J'y crois pas, Agard. Tu nous guides encore au milieu d'un champ de mines. Vous êtes tous des sacrés abrutis. Hey, ils se rassemblent en bas. Marlowe, combien de temps? Environ 5 minutes. Parfait. On y sera dans 3. Rome apparaît pas sur mon GPS, sergent. Vous êtes sûr qu'il est là? Ouais, sauf si on nous a refilé des infos périmées. Et ça arrive souvent? C'est ça. On y est presque. Avancez. C'était magique, sergent. Vous m'avez sauvé la peau. Personne crève sous mes ordres. Marlowe, passe devant. Notre contact va pas nous attendre toute la journée. On se bouge. Qu'on s'occupe de ces types tôt ou tard. Bientôt. Autant le faire tout de suite. Go. Attendez, une patrouille. À mon signal. Ok, à mon signal. 3, 2, 1. Notre homme doit être avec son contact. On se met vite en position. Oh merde, c'est notre agent. Cible en vue. Archange, ici Bravo 2. On a un visuel sur un véhicule et peut-être sur notre cible. Bien reçu, Bravo 2. Oh non, merde! Espèce d'enfoiré. Archange, demandons autorisation d'éliminer la cible. Sergent. Archange, il va se tirer. Négatif, Bravo 2. Ne tirez pas, je répète, ne tirez pas. Je l'avais. Pourquoi on laisse filer ces ordures? Les ordres sont les ordres. Alors calme-toi un peu, il perd rien pour attendre. Archange, la cible est partie, mais pas le véhicule. Bravo 2, la ville est déclarée hostile. Sécurisez le véhicule. Bien reçu, Archange. Terminé. Allez, on y va. On va régler le problème nous-mêmes. On n'en serait pas là si on avait buté ce gros. Tais-toi et cours. Ok, Bravo 2. Vous avez le feu vert. Capturez le véhicule cible. Renfort ennemi!
c'est bon. On bouge. Déjà, Archange, ici Bravo 2, demandons une frappe aérienne. On se frotte à un blindé et une mitrailleuse lourde. Position 1, 9, 6, 4, 4, Alpha. Bravo 2, des unités sont déployées. Elles seront là dans 10 minutes. Tenez bon. Eh ben, elle va être longue, cette minute. Bien reçu, Archange. On attend. On en vient à tête, envoyez les cavaleries. Et comment on fait ça, en priant très fort? Par là. Planquez-vous! Merde! Nos pilotes sont en vacances ou quoi? Garde la tête baissée et essaye de rester planqué. Il ne pas tarder. Moi, je veux bien, sergent. Mais à ce rythme, on n'aura bientôt plus rien pour se planquer. C'est là, creuse un trou! Bravo 2, la frappe aérienne est prête. Vous pouvez utiliser les manuels dans le véhicule S. 06-1, 4 km de position, tire, Marlow. Et garde un œil sur le ciel. Cible confirmée, missile en route. À terre. Tout le monde à terre. Ça ne doit pas faire du bien. Allez, notre véhicule cible doit plus être très loin. Mitrailleuse dans la maison! Mitrailleuse, là-bas! Déploiement à gauche, c'est la contre-attaque, enfin. Ouais! Куда же этот ублюдок подевался?
Excellent, ce véhicule est enfin à nous. On le prend et on se casse. Accélère, bordel! Regarde, attention! Merde, tu vois rien du tout! Go! Ces abrutis en redemandent! C'est pas vrai, ils y tiennent vraiment à ce putain de camion! Accélère! Mais merde, ils nous rattrapent! Agarre! Vire-moi cette saloperie de la route! Avec plaisir, sergent! Sers-toi du lance-grenade, Marlowe! Les laisse-moi approcher, explose-les! Ils sont trop près! On l'a semé! Ah merde! Qu'est-ce que tu fous? On est coincés, allez, avance! Oh merde, 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 merde! Hé, hey, du con! À quoi conduire? Attention, bravo 2, un ennemi. Approche. Répétez, Archange, un ennemi quoi? Et merde, oubliez! Agarre, prends le tunnel, oublie les camions! Allez, tâche! Attention! Plus vite! Allez! Allez! C'est pas possible! C'est un gag! Arrêtez ce putain d'hélico! Allez, fort!
Vous êtes toujours avec moi? À garde! Ah! Sweetwater! Oh! Eh ben, ça, c'est quelque chose. C'est du toc, ce que vous avez rapporté. Du toc, chef ? Oui, info. Le projet doit pas être au point. Quel projet, chef ? Ils construisent une nouvelle arme. On sait très peu de choses, mais ça nous fait flipper. Et ce qu'on ne sait pas nous fait encore plus flipper. On a donc besoin d'informations. Et il nous les faut pour avant-hier. Alors vous... Oui. D'accord. Écoutez, on a besoin de ces infos au plus vite. J'ai déjà 9 autres unités coincées dans des merdiers pas possibles. Maintenant, vous bossez pour nous. Faites ce que vous faites le mieux. Suivez votre instinct, soyez sans pitié. Aidez-nous, et vous pourrez rentrer. Vous pourrez tous rentrer chez vous. Dites, comment ça, chez nous ? Chez nous, chef ? Ouais. Vous êtes partant ? On est partant, colonel. Bon, l'objet que vous avez trouvé, c'est la spécialité d'un de nos agents. Il est en Bolivie. Il s'appelle Aguirre. Donnez-lui ça. Allez, bienvenue dans le régiment des OP de force locale. Alors là, rien compris. Je crois que ma retraite vient de me passer sous le nez. Eh ben voilà. Une fois de plus. Le régiment des opérations de force locale ? Putain, c'est énorme ! La Bolivie ?